Ce que je vois dans la vitre de la porte-fenêtre, je sais que c'est mon visage. Et pourtant, du noir dehors, c'est elle. Du fond sombre de la frondaison des marronniers, c'est elle, encore elle, qui me regarde et qui me regarde de ses puits bleus. Être assis, immobile, à la lueur des lampes, dans son fauteuil d'outre-mort, ou me déplacer de pièce en pièce, mes pas font fuir les moutons qui pèsent, paisibles sur le parquet jonché de journaux, de paperasses, de livres longtemps patients. De pièce, en bougeant les lèvres, en faisant quelques gestes. Ou me pendre au téléphone, noter ce que j'ai vu dans la vitre, dormir sans personne à mes côtés.